Bonjour et bienvenue sur le Magado numéro 10. Aujourd'hui, nous allons vous parler des résultats de l'UNSS, d'un reportage au CDI, des jeunes officiels, arbitres, coachs et jeunes reporters, et du concours « Je filme le métier qui me plaît ». Les résultats des finales départementales de volleyball qui se sont passées au Havre le mercredi 13 mars sont... Troisième pour les Benjamins. Troisième pour les mini-filles. Et deuxième pour les mini-garçons. Bravo à tous les participants et merci à nos jeunes officiels, arbitres, coachs et jeunes reporters. Maintenant, vous allez pouvoir regarder notre premier reportage sur le CDI. Alors, nous sommes deux professeurs documentalistes qui travaillons au CDI cette année, donc Madame de Ruineau et Madame de Lande. Le fonctionnement du CDI, c'est assez simple. Vous avez donc l'occasion de venir lors de vos heures de permanence au CDI, donc on accepte des groupes de 16 élèves, et vous avez également la possibilité de venir le temps du midi, donc de 12h45 jusqu'à 13h30, sous couvert de vous être inscrit au préalable le matin. Vous pouvez venir quand vous inscrivez en permanence ou sur le temps de pause méridienne pour venir, pour travailler, se détendre, lire un livre, demander des conseils si vous avez besoin pour un travail particulier demandé par un professeur. Vous pouvez également utiliser les ordinateurs qui sont à votre disposition. Et vous pouvez également venir lors des récréations. Donc on est ouvert tous les jours jusqu'à 15h30. À noter que le CDI est réservé à une classe lorsqu'elle vient pour un cours d'information documentation avec nous. Donc dans ce cas-là, le CDI est fermé. Mais on prévoit toujours la permanence et on a un planning de toute façon qui est inscrit toutes les semaines sur la porte du CDI. Alors oui, justement, il y a un petit club qui s'est créé cette année. On a fait le choix avec ma collègue de créer un club manga. En fait, il y a plusieurs élèves passionnés par le monde, la culture japonaise, par le monde du manga, qui nous a fait cette demande. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des élèves qui ne connaissaient pas du tout l'univers du manga et qui étaient intéressés par un éventuel club. C'est ça. Donc le club a ouvert en fait dès la rentrée. On a un espace d'exposition dédié au club manga qui est présent dans le CDI, donc qui est plutôt vers le fond. Là, on peut mettre en fait toutes les œuvres et tous les travaux que réalisent les élèves lors de ce club manga. Voilà, actuellement, on travaille sur les émotions et donc ils ont réalisé plusieurs œuvres et on est en cours actuellement d'affichage pour l'exposition émotions. À noter juste que dans ce club manga, donc, il est aujourd'hui complet, hein, vu qu'on l'a débuté au début de l'année. Pour y accéder, c'est malheureusement trop tard, mais ça sera possible peut-être pour les années prochaines, qui sait. Aussi, je voulais juste préciser pour le club manga, donc on ne fait pas uniquement que du dessin, on s'intéresse également donc, à la culture japonaise, au langage, etc. C'est la prochaine exposition d'ailleurs, petite teaser. Voilà. Alors oui, justement, cette année, on a décidé avec Madame Delande de laisser les élèves participer à l'acquisition des ouvrages, en sachant qu'on fonctionne avec la médiathèque. Donc si un ouvrage est demandé par un élève qui n'est pas disponible au CDI ni à la médiathèque, il a la possibilité de le demander et nous, après, avec Madame Delande, on étudie en fonction de l'ouvrage, est-ce que c'est un ouvrage qui est approprié pour le collège, etc. Et après, donc, on décide si oui ou non, on va acquérir cet ouvrage. Et pour ce faire, ils peuvent en fait se diriger vers la boîte à idées, la boîte à suggestions qui est présente dans le CDI pour noter sur un petit bout de papier leurs idées d'ouvrages qu'ils souhaitent voir acquérir au CDI. Non, vous ne pouvez pas donner des livres au CDI parce que tout simplement, nous, on a un budget spécifique à l'acquisition des ouvrages. Après, si vous avez quand même l'intention de vous séparer de certains ouvrages, il existe à Rouen, à Canqueleu, dans toutes les villes, des boîtes à livres où vous pouvez justement proposer vos ouvrages pour les autres. Donc comme ça, une fois que vous avez terminé votre lecture, c'est intéressant de pouvoir
faire bénéficier les autres. Mais nous, on récupère pas d'ouvrages vous appartenant. C'est un catalogue en ligne qui permet d'avoir accès à tous les livres en fait, qui sont présents dans le CD. Donc par exemple, vous cherchez un livre pour faire un travail ou pour votre culture personnelle sur, je ne sais pas, la Seconde Guerre mondiale, et bien vous tapez ces mots-clés dans le portail documentaire et vous pouvez voir s'il est présent ou pas au CDI et quels sont les livres qui traitent de ce sujet. Alors, ensuite, il permet également autre chose. C'est également un espace informationnel, c'est-à-dire que nous, ça nous permet de communiquer avec l'extérieur. Donc, dessus, vous retrouvez les horaires du CDI, vous retrouvez les différents clubs, etc. Alors, cette année, avec Madame Delorme, nous avons décidé de créer la rubrique EMI, donc éducation, médias et information. Alors, comme vous le savez maintenant, le numérique fait partie inhérente de la société. Vous êtes amené vous-même à utiliser les réseaux sociaux tous les jours. Et donc, on s'est rendu compte, de par notre expertise en tant que professeur documentaliste, que proposer aux élèves un espace avec des ressources qui traitent justement de ces questions d'information, d'internet, de réseaux sociaux, etc., c'était important. Et donc, on a justement décidé d'ouvrir cet espace, donc l'espace UMI, qui est disponible sur la page d'accueil du portail documentaire, avec des chaînes YouTube qui parlent justement de ces nouveaux enjeux du numérique, un téléfilm aussi qui traite de ces questions, et des chaînes d'actualité également. Alors l'EMI, c'est l'éducation média à l'information. Vous n'êtes pas sans savoir que Internet fait partie inhérente de nos vies, que maintenant les façons de s'informer sont multiples. Avant, c'était surtout la presse. Maintenant, même sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, Snapchat, vous avez la possibilité d'avoir accès à l'information. Et justement, l'EMI, il est là pour développer votre esprit critique, vos capacités autour justement de ces questions d'information, de publication, de partage, etc. Et développer également, j'ajouterais, votre autonomie informationnelle pour vous débrouiller tout seul en fait. Quand vous cherchez une information ou quand vous souhaitez vous informer par exemple. Pour accéder au portail d'EasyDoc, vous allez en fait sur le site du collège, sur Arsène, vous allez dans le collège et ensuite vous cliquez sur CDI et là il y a indiqué portail d'EasyDoc. Alors, la sélection du moment. Comme vous le savez, il y a pas mal d'ouvrages ici et certains sont parfois pas consultés. Et donc, on a décidé en début d'année de mettre en lumière certains ouvrages toutes les deux semaines. Donc, toutes les semaines, on choisit une thématique, le journalisme, la presse, les réseaux sociaux, la Seconde Guerre mondiale, etc. Et on sélectionne tous les ouvrages qui parlent de cette thématique et on les met juste derrière nous pour justement que les élèves aient plus facilement accès à ces ouvrages. Et donc là, en ce moment, c'est sur le cinéma. Le cinéma. Merci. Nous sommes heureux de vous annoncer que les trois jeunes reporters qui avaient participé à la formation ont été validés au niveau départemental. Nous sommes fiers de vous annoncer que nous participons au concours « Je filme le métier qui me plaît ». Nous ferons bientôt appel à vous pour voter. Le collège a maintenant un compte Twitter. Vous pouvez suivre l'actualité d'une autre façon. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez nous soumettre vos idées de reportage en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à aller consulter le compte Twitter et la chaîne YouTube du collège. Vous pouvez liker la vidéo et vous abonner.